Ils ont brûlé la société Le Froid. Un incendie volontaire ravage cette usine. Ce soir, d'autres entreprises sont également prises pour cible. Nuit de vives tensions à Nouméa. C'est là, c'est là. Pour ta mère. Véhicules incendiés, magasins pillés et affrontements entre émeutiers, forces de l'ordre. La raison de cette fièvre, une réforme qui vise à élargir le corps électoral. Pour l'instant, seuls les Kanaks et les résidents arrivés avant 98 sont autorisés à voter. Avec le nouveau projet de loi, ce droit de vote serait élargi à toute personne résidente depuis 10 ans. Une évolution constitutionnelle inacceptable pour les indépendantistes. En fait, tous ces nouveaux entrants sont tous des anti-indépendantistes, puisque ce sont des gens de l'Hexagone qui sont partis il n'y a pas très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas des gens qui n'ont plus de lien avec la France. Ce ne sont pas des gens qui sont enracinés dans cette île. Donc ces gens-là sont tous massivement anti-indépendantistes. Actuellement, près d'un électeur sur cinq est privé du droit de vote dans l'archipel. Face à ce regain de tension, le ministre de l'Intérieur a décidé ce soir d'envoyer des renforts policiers en Nouvelle-Calédonie.